Le Covid-19, c'est donc le nom de cette maladie qui se répand mondialement, c'est donc une pandémie. Cette pandémie est due à un virus qu'on est parvenu à isoler, qu'on a nommé le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des coronavirus, ces virus qui ont cette fameuse couronne autour d'eux quand on les observe en microscopie électronique. Le virus SARS-CoV-2 possède à sa surface les fameux spikes, donc ces structures en forme de pointe, et on a résolu récemment sa structure, c'est-à-dire qu'on a pu reconstituer en trois dimensions la structure de ces fameux spikes. Et on s'est rendu compte que ces structures possédaient des particularités qui faisaient que ce virus SARS-CoV-2 était différent des autres coronavirus et qui pouvait expliquer la capacité que semble avoir ce virus à fusionner très efficacement avec ses cellules cibles, c'est-à-dire à rentrer dedans pour s'y répliquer. De plus, les propriétés de ce spike sembleraient aussi pouvoir expliquer comment ce virus est parvenu à faire ce saut d'espèce de la chauve-souris au pangolin, puis du pangolin à l'homme. De nombreux essais sont en cours ou prévus. Tout cela prend du temps. Il faut vérifier l'innocuité des nouveaux traitements. Certaines études ont déjà montré que les nouvelles molécules n'avaient aucun effet sur le développement de la maladie. Il a été montré récemment que des anticorps circulent chez les patients qui sont en rémission, qui ont été infectés mais qui se guérissent d'eux-mêmes, et ces anticorps peuvent protéger contre l'infection. Néanmoins, d'autres études montrent que d'autres anticorps contre le même virus pourraient faciliter l'infection. Donc, le développement de vaccins va prendre du temps et leurs tests et la vérification de leur innocuité aussi. C'est pour cela qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse développer des vaccins efficaces avant 18 mois. Le passage des virus des animaux aux hommes a toujours existé. Souvenez-vous par exemple du virus du sida qui provient des chimpanzés. Ces passages de virus aux hommes ont d'ailleurs façonné notre système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre de nombreux pathogènes. À l'heure actuelle, tous les changements importants au niveau planétaire, le changement climatique, l'intensification des échanges internationaux, de l'agriculture, tout ceci concourt à mettre en contact des individus qui appartiennent à des zones très densément peuplées avec des animaux sauvages et donc favorise le passage de ce type de virus.